j'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau Joseph Hopp, président de l'association des donneurs de sang, puis également sa secrétaire adjointe Fanny Bruno. Joseph Hopp, l'association des donneurs de sang, on a compris, vous aidez, vous essayez d'avancer le problème de trouver du sang, c'est le but de cette association. Oui, tout à fait. Bon, le but, c'est sensibiliser la population au don du sang. Alors, qui dit sensibiliser, bon, ça va dans une fourchette de 18 ans à 66 ans, parce qu'il faut être majeur, et ça débouche sur le bénévolat, l'anonymat et la gratuité. C'est aussi organiser les collectes sur une année. Hein, chez nous, il y en a 5. Pour l'année 2006, nous avons récolté 575 dons, ce qui fait une moyenne de 115 par don, ce qui n'est pas mal. Et ce que je souhaite et ce que je recherche avec les membres du comité d'administration, c'est-à-dire c'est d'attirer les jeunes. Quels sont, vous le disiez, vous essayez d'attirer les jeunes, quels sont les moyens, entre guillemets, de séduction? J'ai posé la question à des jeunes, ben j'ai peur, bon j'y pense pas, mais le bouche à oreille, bon moi j'ai fait pas mal de sport, bon ben je vois un petit jeune, bon il ramène son copain, et puis mais faut pas leur faire peur quoi, et puis des fois ils viennent, bon faut pas les pousser non plus, hein, mais bon ça vient d'eux-mêmes. Vous parlez de peur, aujourd'hui dites-nous, enlevez cette peur, comment dites du coup aujourd'hui tout est clair, tout est propre entre guillemets? Quand il y a eu la crise pour le don du sang, c'est vrai qu'au niveau national, ça fait très mal. Et on a du mal aussi, bon, c'est à nous, bénévoles, sur le terrain, mais tout doucement, ça revient. Les gens prennent conscience, parce que comme on voit la télé la semaine dernière, tous les jours, il y a un rappel qui manque beaucoup de sang. Personnellement, Joseph Hopp, vous êtes le président, ça vous tient toujours à cœur d'essayer de persévérer, de perdurer tout ça? Ah, tout à fait, tout à fait. Hein, j'ai repris l'association quand je suis parti à la retraite, je ne suis pas mécontent. Joseph Hopp, président de l'association des donneurs de sang à Dosy, merci. Merci.